qui ressort de la littérature économique, et d'une étude notamment qui porte sur 1800 observations, c'est que l'augmentation des dépenses publiques a toujours un effet favorable sur la croissance économique, mais que l'effet sera d'autant plus élevé qu'il interviendra en phase basse de cycle et sur les infrastructures. D'accord ? Donc c'est hyper important de garder en mémoire que l'investissement public en infrastructure produit des effets favorables sur l'activité économique. Par ailleurs, il est crucial de bien avoir conscience du fait que, comme les investissements publics sont des financements publics d'investissements réalisés par des entreprises privées, bien souvent, l'investissement public, quand vous le relancez, a des effets favorables à court terme sur la demande, sur l'investissement finalement et les capacités de dépense des entreprises privées, mais aussi qu'il est susceptible d'avoir des effets à plus long terme. Ceux-là sont plus difficiles à mesurer, mais ils sont cruciaux et ils réclament de la part de la puissance publique à la fois de s'intéresser à la question de l'investissement public, parce que ça peut être bon pour l'activité économique, mais de ne pas financer n'importe quel investissement public, parce que certains seront certainement plus favorables à l'économie d'énergie dont nous avons besoin, certains seront plus efficaces que d'autres, et dès lors seront plus faciles à financer. Alors, dans un rapport qu'on a remis en 2016 à l'OFCE, nous avons constaté justement qu'en mesurant le capital public et l'investissement public par région, il apparaissait qu'il y avait des écarts entre généralement les zones situées plutôt au sud, avec pas mal de capital public et d'investissement public, et au détriment des zones situées plus au nord de la France. Donc il y a des cartes qu'on présente dans ce rapport et elles montrent une relative divergence en termes de capital public et d'investissement public par région entre le nord et le sud, au bénéfice du sud. On a réalisé un certain nombre de scénarios dans lesquels on a pu montrer notamment qu'il était possible de financer la loi de transition énergétique de 2015 tout en ayant des effets favorables sur l'activité économique à l'horizon de 2050. Donc faire une politique de transition écologique assortie d'une taxe carbone et de la redistribution de cette taxe carbone vers les ménages et vers les entreprises permet d'engendrer plus de produits intérieurs bruts. Ça réclame quoi? Ça réclame de faire de l'investissement dans l'éolien et notamment dans la rénovation énergétique.